Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'interrogation. L'interrogation est la manière de poser des questions. À l'écrit, on ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase en français. Et à l'oral, on monte la voix à la fin de la phrase aussi. Seuls les modes indicatifs et conditionnels peuvent s'utiliser à la forme interrogative. Il existe deux types de questions. Les questions fermées, dont la réponse est oui ou non, ou divers degrés de certitude. Par exemple, tu habites à Paris? Non, j'habite à Bordeaux. Et puis, les questions ouvertes avec des mots interrogatifs dont la réponse porte sur un élément spécifique de la phrase. Par exemple, où habites-tu? J'habite à Bordeaux. En français, il existe trois manières de poser la même question selon le registre langagier. Tout d'abord, il y a l'intonation montante dans le registre familier. Par exemple, « Tu viens ?» Ensuite, l'expression « Est-ce que ?» avec parfois un mot interrogatif dans le registre courant. Par exemple, « Est-ce que tu viens ?» Et enfin, l'inversion du sujet et du verbe dans un registre soutenu ou à l'écrit. Par exemple, « Viens-tu ?» On utilise donc souvent des mots interrogatifs pour poser des questions. Il y a d'abord les adverbes. Quand, when, par exemple, quand est-ce que tu viens? Où, where, par exemple, vous allez où? Comment, how, par exemple, comment vas-tu? Pourquoi, why, par exemple, pourquoi tu t'en vas? Combien ou combien de, how much, how many, par exemple, combien en veux-tu? Et enfin, quid, quid de, what about, par exemple, quid des droits humains. On a ensuite l'adjectif quel, masculin singulier, quel féminin singulier, quel masculin pluriel, quel féminin pluriel, quel, qui signifie what, which. Par exemple, quel est ton plat préféré? Et puis, nous avons les pronoms. Ça se complique un petit peu parce que ça dépend à la fois de la fonction du pronom et du fait que ce pronom désigne une personne ou une chose. Pour le sujet, personne, on a qui ou qui est-ce qui, who. Par exemple, qui est là, qui est-ce qui est là. Pour une chose, qu'est-ce qui, what. Par exemple, qu'est-ce qui est drôle. Pour le complément d'objet direct, pour une personne, on a qui ou qui est-ce que, whom. Par exemple, qui voyez-vous? Qui est-ce que vous voyez? Pour une chose, que ou qu'est-ce que, what. Par exemple, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Pour les compléments prépositionnels, pour les personnes, on a la préposition plus qui, ou la préposition plus qui est-ce que, préposition plus whom. Par exemple, à qui parles-tu? À qui est-ce que tu parles? Et pour les choses, on a la préposition plus quoi, ou la préposition plus quoi est-ce que, préposition plus what. Par exemple, de quoi avons-nous besoin? De quoi est-ce que nous avons besoin? Enfin, nous avons le pronom variable, qui propose un choix entre plusieurs choses. C'est lequel masculin singulier, lequel féminin singulier, laquelle masculin pluriel, lesquels féminin pluriel, lesquels. Donc il peut être sujet ou complément d'objet direct et signifie which. Par exemple, lequel des deux prenez-vous? Ou laquelle des trois est la plus grande? On a ensuite préposition plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Donc c'est un complément prépositionnel, préposition plus which. Par exemple, derrière lequel est-il caché? On a ensuite auquel, à laquelle, auquel, auquel, préposition à. Par exemple, auquel des trois avez-vous parlé? Et enfin, duquel, de laquelle, desquels, préposition de. Par exemple, duquel des deux parles-tu? Regarde la vidéo suivante sur l'inversion dans une question. Au revoir.